Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, grand jour, on réceptionne deux nouvelles machines et un nouveau partenariat au garage GLB. Nouveau partenariat avec Sébastien de chez SR Distribution. Donc bien évidemment, tous les liens seront en description de la vidéo. Et aujourd'hui, Sébastien nous vient avec une belle remorque et deux belles machines dedans. Des machines pour pouvoir démonter et équilibrer les roues et donc les pneus. Donc voilà, très belle, très très beau don de sa part pour le garage GLB qui va nous être sincèrement utile vu le nombre de véhicules qu'on a, mais également qui va pouvoir aussi du coup permettre peut-être de pouvoir faire des tests de pneumatiques à l'avenir. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut déboucher sur encore de nouveaux thèmes de vidéos. Et donc juste pour ça, je trouve ça intéressant, surtout que derrière moi, eh ben, j'ai déjà reçu des pneus qu'on va du coup monter dans une prochaine vidéo sur l'Audi R8 avec ces mêmes machines. Les amis, on va attendre que Sébastien il arrive et après on le présente. C'est parti. SR Distribution qui vient d'arriver. Bon les amis, on se retrouve avec Sébastien. Donc Sébastien qui nous vient, tu nous viens d'où? Du 03. Du 03, près de Clermont-Ferrand. Donc propriétaire de la société SR Distribution. Je te laisse te présenter Sébastien. Sébastien, gérant d'SR Distribution donc, et spécialisé en équipement de garage, essentiellement machine à pneus, point élévateur. Tout ce qui est gros matériel quoi. Voilà, exactement. Voilà, donc Sébastien, SR Distribution, tous les liens sont en description de la vidéo et qui devient maintenant partenaire de la chaîne YouTube au garage GLB. Donc c'est parti Sébastien, il va déballer tout ça, on va sortir les machines, après on va voir un petit peu où est-ce qu'on peut les placer dans le garage parce qu'il y a des machines qui nécessitent un petit peu de recul, d'autres qui sont un peu plus larges, etc. Donc vous le savez, j'avais déjà cassé un morceau là-bas pour placer une machine. Mais encore une fois, on ne sait pas définitivement où tout ça va aller, donc je pense qu'on va faire plusieurs petits essais et je vais vous passer tout ça en timelapse. Allez, c'est parti. Tu proposes le service de livraison, Sébastien ? Alors, service de livraison, en principe, c'est par transporteur. Là, le cas un petit peu particulier. Quand c'est en clientèle locale, je peux aussi le faire dans un rayon de 100 km à la ronde. D'accord. Bon, n'hésitez pas à aller visiter son site. Il a également une page Facebook et Instagram, si je dis pas de bêtises, Sébastien. Exactement. Voilà, donc tous les liens, je les mettrai en description de la vidéo. Il fait tout ce qui est pont, élévateur, machine à pneus, équilibreuse. Bon, voilà, il y a toute une liste exhaustive. Hein. Je vous mettrai tout ça en description de la vidéo. Et puis, il vous en dira certainement plus au cours de cette vidéo. Bon les amis, ça y est, on vient de déballer les deux cadeaux offerts par SR Distribution et donc indirectement par Sébastien au garage. Donc là, on est en train de terminer l'installation des bras, etc. sur la machine pour démonter les pneus. J'avais un petit souci que j'avais pas forcément pensé, c'est sur l'équilibre, c'est la taille du capot. Donc vous voyez, en fait, le capot fait presque la taille de la machine. Donc je pensais pouvoir la mettre dans le coin là. Sauf que le capot vient clairement devant, devant le passage de la voiture. Donc c'était pas possible. Donc là du coup, ça va être encore à décider, mais c'est en bonne voie. On va mettre la machine pour démonter les pneus ici, le compresseur là, et la machine pour équilibrer là où elle est actuellement, donc comme ceci le long du mur, et le capot du coup levé. Et si un jour j'ai un souci, j'ai juste les deux petites vis à dévisser du capot et à stocker le capot séparément, mais au moins elle prend pas de place ici, elle est bien posée, et ce qui me permet d'avoir tout le système d'air côte-côte là-bas. Donc voilà un petit peu, c'est assez balèze hein, l'équilibreuse avec toute la partie cache, c'est ça qui prend de la place. Parce qu'en soi ça fait la même taille que ma servante, donc ça ne me prend pas plus de place.
sauf le capot. Et du coup, c'est le capot qui nous a un petit peu embêté pour la placer. Donc là, on va finir tranquillement de monter les bras, etc. sur le démon de pneus. Et puis après, bon, on va se retrouver pour vous montrer un petit peu tout ça, puis pour faire un petit test. je vais avoir le droit à une petite formation démontage de pneus. Bon les amis, ça y est, on se retrouve avec Sébastien. Donc on a fini l'intégration des machines et surtout le montage et le paramétrage des machines au garage. Donc la petite équilibreuse, dont vous m'excuserez la petite cale ici, mais vu que vous le savez, en fait le garage ici a été ajouté, donc on a un petit dénivelé. Donc là il va falloir que je fabrique un support propre, mais là on l'a calé de niveau pour la régler. Mais bon, pour l'instant ça fait le taf, mais c'est pas esthétique. On a l'équilibreuse ici avec l'énorme capot qui nous a posé un peu de problème tout à l'heure pour la placer. On a la machine à pneus, donc ici avec le troisième bras qui est idéal pour les débutants novices comme moi. Il a pensé à moi, Sébastien. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Donc nickel, on va pouvoir, comme je vous l'ai dit, hein, maintenant on va peut-être pouvoir proposer également des tests de pneus. Vu que bah, on est équipé pour faire ça, ça va faciliter aussi l'entretien des véhicules, hein, notamment les R5. On va bientôt monter des pneus dessus. Et puis il y aura plein de véhicules à s'occuper. Je tenais également à remercier, un grand merci à SR Distribution, donc à Sébastien qui est derrière nous, qui, je le rappelle et le souligne, travaille tout seul. Donc c'est ta société, t'es tout seul, il n'y a pas 50 000 interlocuteurs, qui nous a donc offert les machines pour la chaîne YouTube. Donc un grand merci à SR Distribution, Sébastien, merci beaucoup. Et puis je tiens également à préciser que Sébastien offrera 6% de remise. Exactement. Pour tous les gens qui viendront donc de la part de la chaîne YouTube GLB. Et je rappelle, 6% de remise, même sur les produits déjà remisés sur ton site. Donc c'est un supplément, parce qu'il fait assez couramment des promotions sur son site, donc les 6% viennent s'ajouter. On va aller faire un petit tour avec Sébastien sur son site internet pour qu'il vous propose et qu'il vous explique un petit peu la gamme de produits qu'il a, parce que ça ne s'arrête pas aux machines pneumatiques, donc pour monter les pneus, hein, il fait également des ponts, tout type de machines, des compresseurs, etc. Je rappelle que tous les liens seront en description de la vidéo. Maintenant, je laisse la parole à Sébastien et on va aller faire un petit tour sur son site. Sébastien, est-ce que déjà tu as des choses à nous expliquer un petit peu sur comment tu fonctionnes? Voilà, je te laisse la parole complète. Comment on fonctionne? La plupart de nos produits sont stockés sur des plateformes logistiques. À partir de là, quand le client passe commande, il y a un processus de traitement qui se met en cours, enfin comme une commande normale. Le produit est expédié directement de la plateforme logistique. On offre la livraison. Quel que soit le matériel acheté, au-delà de 120 euros d'achat, on offre la livraison. À partir de là, la marchandise est mise en expédition sous 48-72 heures, avec un délai de livraison à partir du départ, un délai d'arrivée à 8-10 jours. C'est important de rappeler également que tout ce que vous achetez, donc au-delà de 120 euros sur le site, vous n'avez pas de frais de livraison, donc de frais de port qui sont ajoutés à la commande. Ça va bien prendre en compte parce que moi, par exemple, quand j'avais acheté mon pont, hein, je tiens à le rappeler, j'avais pour presque aussi cher avec la douane plus la livraison que le pont. Donc il y a, enfin, quasi exclusivement tous les sites rajoutent un frais de port quand tu achètes des machines comme ça, parce que c'est quand même un coût de livraison qui est quand même assez cher. On est sur quelque chose de volumineux et sur palette, et en fait t'es facturé à la palette, à la place prise dans le camion, quoi. Palette, volume, ouais. Voilà. Donc on va aller faire un petit tour sur le site de Sébastien, donc SR Distribution, que vous pouvez retrouver directement en ligne et qui sera en description de cette vidéo là, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il propose en termes de matériel. Donc il y a du matériel professionnel et du un peu moins professionnel, je dirais, en termes de rapport qualité-prix, qui est plus orienté pour le particulier qui va pas du coup monter 100 pneus à la journée. Donc là on est sur les bases pneumatiques, puisque bah c'est le thème de la vidéo un petit peu, puis après on va évoquer les ponts, les compresseurs, voilà, tout ce que tu vends. Je te laisse nous montrer un petit peu sur ton site qu'est-ce que tu proposes, tu fais des packs, tu fais tout ça, donc. Alors ouais, on fait donc on a plusieurs catégories, donc pont élévateur, ça va du 2 colonnes, ciseaux, 4 colonnes. Après on a le choix d'acheter machine à pneus équilibreuse à l'unité, et vu qu'on a eu une forte demande pour ça, on a créé aussi des packs tout prêts, donc avec machine à pneus équilibreuse. À savoir, quand vous achetez une machine à pneus, une équilibreuse, il y a un kit de démarrage offert, donc qui comprend des masses à frapper, masse autocollante pour jantes alu, crème de montage, des montes obus, tire-valve, etc. Prêt à bosser, quoi, finalement. Tu reçois le truc, tu peux direct travailler. Exactement. donc après, on part sur une,
sur un modèle de base. Donc, on aura sur une machine à pneus qui peut aller en capacité déjà jusqu'à 22 pouces et une équilibreuse de roues manuelle jusqu'à 24 pouces. Alors ça, c'est bien pour les ateliers à encombrement réduit. Donc ça, c'est plutôt destiné à une clientèle de particuliers ou de gars qui bricolent, qui a 3-4 voitures à la maison. Qui a un emplacement fait, mais qui ne fait pas non plus 20 pneus par jour, quoi. Voilà, exactement. Ça, c'est... Puis qui veut plus aller chez le garagiste ou... Enfin, ou... Ouais, parce que comme on évoquait tout à l'heure, hein, franchement, enfin... Moi, chez moi, le prix pour monter, par exemple, un pneu DR8, j'ose même pas imaginer parce qu'il y a la prise de risque, mais pour le trafic, par exemple, j'ai payé 22 € sur une jante tôle par roue, et sur une jante aluminium, je suis entre 25 et 27 € par roue dans ma région. Donc en fait, voilà, c'est quand même, je dirais pas vite rentabilisé, mais quand tu rajoutes ton gasoil, etc., le fait de prendre rendez-vous, machin, bah, finalement, voilà, c'est quand même assez intéressant d'avoir ça au garage. Qui plus est que maintenant, on en discutait aussi, la grande majorité des pneus vient d'Internet et les garages sont de plus en plus réticents à faire monter les pneus qui viennent d'Internet. Exactement. Après, il y a le côté plaisir, il y a l'autonomie, toutes ces choses-là. Après, on propose un pack spécial pour les roues moto, donc avec des mors spécifiques sur la machine à pneus et l'adaptateur qui va sur l'équilibreuse, donc pour l'équilibrage des roues moto. Après, on va partir sur la même chose, donc en termes de machine à pneus et... une équilibreuse de roue semi-automatique, donc celle-là a un moteur, vous baissez le capot, le lancement se fait automatiquement. Les données sont à rentrer manuellement comme toutes les autres équilibreuses. Ensuite, donc tous ces packs-là que vous voyez sont après proposés soit avec un compresseur ou soit avec un compresseur et un pont de colonne. D'accord, en fait tu peux acheter limite tout ton garage quoi, t'achètes un montage de pneus, l'équilibreuse, le pont, le compresseur et tu fais un pack dans tout ça quoi. Exactement. Et après on passe sur une machine à pneus automatique. Donc au lieu d'avoir le réglage manuel, comme on le connaît, comme ce qui se fait depuis des années, après on aura la colonne basculante et verrouillable pneumatiquement. Cette machine-là, on peut l'acquérir comme elle est là et plus tard acheter le bras d'assistance comme on a ici, donc tout le gros truc noir d'assisté d'handicapé comme moi que vous pouvez retrouver ici, voilà, qui va nous faciliter grandement la vie dans la prochaine vidéo qu'on va tourner. Voilà. Et donc on peut le rajouter après. Alors après le bras, c'est pas qu'une question de handicap. T'as le droit de le dire. c'est pas qu'une question de handicap. De plus en plus, les roues, enfin les pneus de maintenant sont en taille basse, les roues sont grandes. Ceux qui connaissent un peu, qui ont déjà fait du pneu, ça se fait quand il y a le bras, une fois qu'on y est goûté, on ne peut plus s'en passer. C'est un investissement utile. C'est un investissement autre, on rentre dans le semi-pro, voire pro. Quoi. Donc en fait, là, tu as vraiment une gamme qui est assez complète parce que finalement, tu pars du premier en termes d'encombrement prix et pour la personne plutôt particulier qui va pas monter énormément de pneus. Et après, du coup, tu pars carrément sur des choses beaucoup plus alors, typées professionnelles. Ce sont tous les mêmes packs après, sauf qu'on rajoute un compresseur et après, exactement les mêmes packs avec un pont en supplément. Ouais, donc là, c'est vraiment des packs qui comprennent tout. Quoi. Et donc, les deux derniers gros packs pour finir, donc qui comprennent grue d'atelier, servante complète, presse hydraulique, le vérin de fosse avec la tête gyroscopique, le récupérateur d'huile, le pont, cri, chandelle, clé à choc, douille, chariot de visite, enfin, un truc vraiment complet. Prêt à démarrer quoi. Avec une machine à pneus semi-auto, donc sans bras et sans possibilité d'en ajouter un. Et sinon, après, on retrouve le même pack avec la machine à pneus et son bras d'assistance. Okay, donc, qui est comme un petit peu ce qu'on a actuellement au garage. Exactement. Voilà. Donc, il y a quand même une gamme qui est assez complète avec beaucoup de packs, etc. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Il y a une belle gamme de ponts. On va vous montrer un petit peu les différents ponts qu'on peut retrouver sur son site internet. Donc là, vous pouvez retrouver des ponts ciseaux, des ponts une colonne, deux colonnes, quatre colonnes et des ponts spécialement pour la moto. Donc ça, c'est du ciseau, deux colonnes, quatre colonnes, pour vous donner un petit peu d'ordre d'idée. Donc encore une fois, la livraison offerte, vous avez 6% sur tout son site internet en plus. Et maintenant, si on parle un petit peu garantie de tes produits, tu les garantis combien de temps? Alors, la garantie légale, de toute façon, est de 2 ans chez nous. Et nous, on est assez confiants sur ce qu'on vend, on les garantit 3 ans. Voilà, et bien écoutez les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Donc si on résume, n'hésitez pas à aller voir le site SR Distribution. Donc tous les liens sont en description de la vidéo. Vous avez également 6% sur toute sa boutique. Je te coupe, les 6%, il faudra bien renseigner le code. Alors au pire, tu pourras certainement le mettre dans ton
dans le lien, ouais. Alors de mémoire, c'est GLB500K. Eh bien écoutez, on mettra le code en description, donc il faudra bien mettre le code quand vous allez acheter sur la boutique, et ce qui va vous permettre de rajouter 6% de promotion au pack, enfin aux promotions déjà en cours sur le site. Donc ça c'est uniquement pour la chaîne YouTube, la livraison est offerte, il n'y a pas 50 interlocuteurs, c'est Sébastien qui gère sa société, donc quand vous avez un souci c'est Sébastien qui vous répondra, pour gérer les commandes c'est Sébastien qui répondra, et pour le SAV c'est Sébastien qui répondra. Donc là vous allez tout simplement le noyer. Bon, en tout cas un grand merci à SR Distribution pour ce don sympathique pour la chaîne YouTube, ça va être génial dans le garage. Sébastien, grand merci à toi. Et puis les amis, n'hésitez pas, tous les liens sont en description de la vidéo, pensez au code promotion quand vous allez avoir besoin d'acheter, et je rappelle, la livraison est offerte. Les amis, un grand merci à tous pour votre soutien, merci de regarder cette petite vidéo. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, tous les liens sont également en description de la vidéo. N'hésitez pas à aller sur le Instagram qui s'affichera en bas de la vidéo de SR Distribution, et nous on se dit à très bientôt. Ciao !